Les hommes sont entre nos mains. Bonjour à vous, c'est LudoProgestie qui se trouve aujourd'hui pour un jeu qui s'appelle Reus et qui est développé par AB Games. C'est de l'indépendant et c'est de la gestion. Aujourd'hui, nous allons jouer à une nouvelle partie. Nous allons faire un jeu libre. Non, nous allons faire une aire de 30 minutes, plus exactement. Et nous allons lancer sans tarder la partie pour ne pas faire durer la vidéo. Reus, vous avez vu bien l'intro. C'est bien résumé à travers l'intro. En fait, tout est entre vos mains. Vous incarnez des géants, et c'est à partir de vos choix que vont vivre, et survivre même, des populations diverses et variées. Et donc voilà, nous incarnons quatre petits monstres, et afin de donner la vie, nous allons, à travers ce monde, cette planète que vous voyez ici, nous allons pouvoir vraiment occuper toute la surface de cette planète, et le but à nous, c'est de donner de la vie. Et bien sûr, essayer de faire profiter aux humains de tous vos pouvoirs afin qu'ils prospèrent de la plus belle manière qu'ils soient. Et donc nous, on va aujourd'hui faire un océan, déjà pour commencer. Ça va être pas mal, donc on va creuser la terre pour créer de l'eau. Donc voilà un peu le système de Reus qui est vraiment pas mal. Et donc après nous, on va créer de la forêt. Parce qu'on est comme ça. Et donc voilà, on va créer divers environnements qui accueilleront différentes populations. Alors elles pourront soit se battre, soit même se rebeller contre vous. Ça dépend dans quelles conditions vous les faites vivre. On va créer un marécage, on va créer un peu tout, et après on créera de la nourriture, de la bouffe, pour que ces messieurs viennent un peu. Voilà, on va créer de la bouffe là. Vous allez voir, c'est génial. On va créer une montagne ici pour essayer de pimenter un peu tout ça. Petite montagne. Voilà, ça va créer un désert normalement. Avec les sédiments qui vont tomber, ça va faire du sable. Enfin, vraiment, est-ce que je suis. Un village de la forêt s'est installé. Les villages des forêts ont tendance à avoir des projets nécessitant de la nourriture. Essayez de créer des arbres fruitiers et des animaux domestiques dans ce village. Donc, on va créer sûrement avec aspect foliacé, sol fertile. On va créer un peu. Des plantes, donc là vous voyez déjà une population s'est installée, des gens commencent à habiter, à s'imprégner de ces lieux majestueux, et voilà, donc le challenge grange a commencé, et le challenge à faire, une grange est en cours de construction pour les agriculteurs et cœurs pacifiques, donc on peut voir ensuite, si je m'en souviens bien, comment change grange, les gauchers ont été fondés, la grange, ok. Normalement, on peut voir aussi la bouffe et tout. Est-ce que, ouais, là, c'est la bouffe 2 sur 5. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont pas à manger, mais ils sont contents quand même. Pour le moment, ils sont contents. Là, le désert. Voilà, le désert qui a été créé. On va aussi créer des roches qu'on va placer. Mine de répression, on va les placer ici. Et ça, on va créer des fruits ici. Des fruits de désert. Des fruits désertiques. On va continuer à créer notre petit bonhomme de chemin. Avec un petit océan ici. Je crois même qu'on va faire un gros océan géant. Ça va être cool. Ça va être cool. Quel pouvoir a le pouvoir? Alors attendez. Le pouvoir du marécageux monstrueux. Étaler un marécage. Vous pouvez mettre des boutures d'herbe. Ça génère de la science. Un nomade erre en surface, cherchant un lieu où s'installer pour former un village. Aidez-le à trouver ce lieu en plaçant des sources naturelles. Un nomade ne s'installera que proche de sources naturelles. Faites bien attention à les éparpiller si vous ne voulez pas avoir des villages trop proches. Ok. Et moi justement, je vais avoir des villages trop proches pour qu'ils se cassent la tronche. Alors, là ils ont un peu de nourriture. On va continuer. La roche. Tremblement de terre. Ah ouais, là on peut vraiment aussi faire du mal aux gens. Chose qu'on va pas faire maintenant. C'est pas sympa. Alors. Animaux exotiques. Essayer de rendre un peu la zone un peu dangereuse et hostile. Ah, c'est joli, hein. On peut vraiment s'approcher pas mal. Et profiter vraiment du décor vraiment sympa. Oh, un petit poney. Voilà, on peut vraiment profiter de l'ambiance et la musique vraiment relaxante. On va continuer à créer les océans.
Et après on va créer, enfin on va mettre des animaux. Aspect de croissance E. Animaux domestiques, on va les placer ici après. Le bonhomme vert nous permet d'avoir des sols fertiles. Fertiligènes. Les fleurs sont belles. Alors le marécage. Qu'est-ce que tu me fais? Purée, ils se sont déjà installés rapido. Hein. Illico Plesto. Hein. On a intérêt à être rapide sur ce coup-là. Ok, ils se sont installés rapidement. J'ai pas eu besoin de faire grand-chose. Ça, c'est drôle, ça tient. Animaux exotiques. Hein. Ça génère de la richesse. On va créer des animaux qui génèrent de la richesse. J'espère que l'argent ne fera pas courir cette population à sa perte, parce que souvent l'argent ça ne fait pas des heureux. Loin de là. Ça va peut-être créer de... Je sais pas si ça existe les différents groupes sociaux qui soient plutôt moyens. Les classes riches, les classes pauvres, les classes moyennes. Je sais pas si ça y est dans le jeu. Bombe de mucus. Le géant des marécages lance une partie du marécage infecté sur une cible, infligeant 7 de dégâts sur 7 secondes. Tu dis varie du village. D'accord. Donc je peux me faire attaquer ma planète par des vilains brigands. Donc il va falloir faire attention à ça. Je sais pas où est marqué le temps qui me reste. En tout cas, waouh, regardez, ils ont fait des mines, enfin des souterrains. C'est marrant ça, tiens. Ah, ils ont une puits, après ils le ramènent à la grange. On a la nourriture, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Comment ça marche? En pause, non, je ne veux pas de pause. Je veux juste changer. Ah oui. Est-ce qu'on peut voir? Ah oui, voilà, c'est là. 25 de vie, 5 de bouffe, heureux, heureux. Ils sont heureux. 25 de vie. Ils sont 7 armés. 5 armés, 25. Ils sont heureux aussi. Je sens que la nuit va tomber. Est-ce que des populations au désert se sont installées? Non, ce n'est pas possible, ils ne se sont pas installés encore. On va mettre, placer... Ça va, aspect de croissance, on va rendre la croissance encore meilleure ici. Permettant à nos petits villageois de naître en pleine forme. On va ajouter des animaux domestiques, pourquoi pas. Ici. Voilà. Donc voilà, le dieu de l'eau, c'est vraiment... Enfin, le géant de l'eau, c'est vraiment un facteur essentiel afin de faire survivre la planète. Nous avons la tribu Bizarre, la tribu La Forêt et une nouvelle menace, finir la troisième mer. D'accord. J'espère qu'on arrivera à se défendre. Il faudrait créer plus de minerais. Roche complexe. On va voir si on peut pas créer quelque chose de bien difficile. Sol fertile, hein, je l'ai déjà fait. Arbre fruitier. Le marécage. Animaux exotiques, j'ai déjà mis. Bouture d'herbe. Je vais mettre ça dans le désert, je vais voir si ça fait un truc. Ça pourrait être sympa. Aspect de croissance. Vraiment, vraiment approfondir notre développement au niveau de la forêt. Voilà, c'est cool. Vraiment cool. On va continuer dans cette direction avec ce petit village. Alors, attention, qu'est-ce qu'il a le géant? Bizarre. Vraiment tout le monde se porte bien. Protection contre le danger, 0. À ce niveau, il n'y a aucun danger pour le village. Les villageois seront occupés de se protéger du danger, empêchant la convoitise de grandir complètement. La quantité de danger sur le territoire est trop élevée et le village meurt doucement. Ah bon? Non. Convoitise. Pour le moment, tout le monde est content normalement, donc c'est bon. Non, non, tout va bien. Prospérité 27. Ah, un nouveau bonhomme. C'est sûrement le désert, ils arrivent. Non, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe?
Où est-ce donc? Où est ce nomade? On a beaucoup de nourriture par-ci. Un peu de nourriture par-là. On va essayer de rajouter des animaux domestiques. Un projet va bientôt manquer de temps. Si les parcelles du territoire sont déjà occupées, n'oubliez pas d'utiliser l'aspect et instinct pour obtenir le petit extra qui vous manque. Plus les aspects sont rares, meilleurs sont les bonus. Vous pouvez en obtenir plus facilement avec la capacité sol fertile du géant des forêts ou mousson du géant des océans. N'oubliez pas non plus qu'une grande différence entre les ressources récoltées et disponibles d'un village augmentera sa vitesse de récolte. Sol fertile du géant des forêts ou mousson des géants des océans. Donc, mousson. Donc là, il va falloir améliorer. Oh! Qu'est-ce qu'il a le géant de tout vert là? Il est bizarre. On va rendre fertile cette zone. Voilà. Je sais pas si pour le moment on est bon. Mais ça a l'air plutôt sympa. Pour le moment, tout va bien. On va faire nos océans ici, on va boucher le trou qu'il y a. Faut que ça soit un peu plus esthétique. Non, non, va ici, va ici, va ici, je t'ai dit les. La nature a l'air prometteuse, mais on peut faire encore mieux. Avez-vous utilisé les symbioses? Cliquez sur votre source naturelle préférée comme la poule ou la myrtille. Et regardez les symbioses en haut à droite de l'écran. Si cela semble un peu trop, allez-y doucement et concentrez-vous sur une seule ville. Faites des essais, vous pourriez même en obtenir un en développement. Un développement, ok. Je veux juste que tu fasses un trou ici. Ensuite, ouais, il m'a dit de regarder au niveau de la symbiose. Si je regarde, par exemple, au niveau de la richesse, comment ça marche cette connerie? Non! Non! Non, 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 j'ai rien dit! Non, 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 ici! Ici, tu fais ton truc. Lourd! 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 Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Au niveau de la symbiose. La symbiose. On met des arbres fruitiers, tiens. Un ambassadeur du marécage est apparu. Il peut améliorer les capacités suivantes. Géant des forêts migrées permet de déplacer les sources naturelles. Géant des océans, instinct de troupeau, ajoute de la nourriture aux animaux. Géant des roches, aspect sismique, ajoute de la science et de là-haut. Au minerai. Le géant des marécages, aspect vénéneux, ajoute de la science aux plantes. Super. C'est super. Vraiment super. Hein. Trop super. Cool. Bouture d'herbe. Bombe de mucus. Alors ça veut dire on a la capacité maintenant d'avoir des possibilités en plus grâce à l'ambassadeur fille que nous voyons ici. Si seulement je pouvais les utiliser maintenant. C'est-à-dire que tout se porte bien pour le moment. Apparemment. Enfin, j'espère. Ça a l'air de bien se porter la vie ici. Convoitise. Au niveau de l'ambassadrice du marécage. On en a une. Grange, Légion Shire. Nourriture récoltée 24 sur 30. High Castle 14, 16 et 22. Content. 8 contents à Legion Shire. Ils sont pas contents du tout là-bas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. C'est la rébellion. Ils crient famine. Ils sont pas très bien. On va faire un truc là. Il va falloir faire un truc. Si j'ai bien compris, ils sont pas contents. Donc on va prendre le marécage. On va mettre des animaux exotiques. Non, c'est nul. C'est nul, très nul. Comment on pouvait les placer? En fait, lui, ça sert un peu à rien. Pour moi, je sais pas vraiment quoi faire à lui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait aider le village? Sol fertile, allez, on va envoyer.
complexe. Voilà. Sympa, ça. Ensuite, on pourrait rajouter... C'est dommage que je ne peux pas encore faire l'instinct du troupeau. Débloqué avec un ambassadeur du marécage. R. Un chant un animal avec un instinct du troupeau ajoute de la nourriture. Mais il faudrait ajouter des animaux déjà. Mais si j'ajoute pas d'animaux, je vais pas aller loin. Où c'est que je pourrais ajouter un animal? On va ajouter un animal ici. On va essayer de faire l'instinct du troupeau. Voilà. On va voir si maintenant on peut faire quelque chose avec ça. Apparemment, non, toujours pas. Donc voilà, vous comprenez un peu le système de Reus, comment ça fonctionne. Je pense que là, vous avez bien compris à travers ce petit gameplay. Voilà, c'est mignon. C'est, en plus, c'est très coloré. C'est vraiment très très joli. Agréable à regarder. C'est pas non plus magnifique, mais c'est très sympa. C'est assez original. C'est vrai que le concept au début m'avait vraiment attiré. Et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Et très relaxant aussi. Vraiment un jeu vraiment très sympa. Alors comment on pourrait faire caguer ces petits coins de paradis? J'aimerais bien les faire attaquer un peu en fait. Ok, un peu d'action. Le challenge sanctuaire a commencé. Qu'est-ce que tu veux toi? Est-ce qu'on peut faire un challenge avec elle? La nature se porte bien, mais il n'y a pas beaucoup de sources naturelles évoluées. N'oubliez pas que vous pouvez transmuter les sources en les enchantant avec le bon aspect ou instinct, par exemple. Une myrtille peut se transformer en fraisier avec un aspect foliacé. Un quartz peut se transmuter en topaz avec un aspect noble. Et une grenouille peut se transmuter en loutre avec un instinct du troupeau. Ok. Le problème, j'ai aucun aspect... aspect de croissance, je pourrais le... Ouais, à la limite. J'ai aucun de l'aspect vénéneux ou aspect... voilà. J'ai un ambassadeur du marécage, mais il ne veut vraiment pas que j'utilise ça. Enchante une plante. Faudrait la science. ...44/49, peut-être qu'arrive à 49, je vais pouvoir améliorer ça. Bouture d'herbe, on va essayer d'en rajouter. Ça vraiment, ça rajoute de la science. On va pas gêner. Oh, c'est tellement mignon. D'accord. Je sais pas combien de temps on est. Un ambassadeur de la forêt est apparu. Il peut améliorer les capacités suivantes. Géant des forêts, aspect de comestibilité, pardon. Ajoute de la nourriture aux plantes, géant des océans, aspect de cristallisation, ajoute de la richesse et de l'adoration aux minerais. Jean des roches, aspect exotique, ajoute de la richesse aux animaux. Jean des marécages, aspect chimique, ajoute de la science aux minerais. Ok. On a à peu près tout ce qu'il nous faut. On a deux ambassadeurs géniaux, attention. Et en plus, on va pouvoir, j'espère, débloquer l'aspect foliacé majeur. L'aspect foliacé, c'est sûr. Les plantes. Enchante une plante.
Ça veut dire que ça va péter, ça va roxer du poney. Animaux exotiques, bouture d'herbe, les gens du marquage. Ok. Ok, d'accord. C'est génial. Aspect de croissance. Je sais pas où on va ajouter ça, mais on va l'ajouter. Je commence à comprendre un peu le système. Et là, ça va se transformer en plante géante de la mort qui tue. Non, pas encore. Ça ne saurait tarder. On a deux ambassadeurs. Deux villages. High Castle, c'est où? C'est les marécages, High Castle. Il y a 24 personnes. Hein. Ouais, c'est les personnes, ça? Je sais pas. Ça, c'est quoi? C'est la forge. En effet. Prospérité. Le challenge géologue a commencé. Où ça? Où ça? High Castle. Richel se récolter. Parcelle de montagne. Au moins 3000. Oui. Alors il faudrait en fait une montagne à côté. Est-ce que si j'ajoute une montagne ici, ça va pas me défaire mon écosystème, enfin mon système quoi. Ça fait un peu peur. Mettre assez loin. Je vais mettre une montagne ici, on va voir ce que ça fait. Ils veulent des parcelles de montagne. Alors bon, au moins 3 minerais. C'est quoi des parcelles de montagne? Ah, attendez, que je fasse une connerie. Là, on va aller là plutôt, on va aller là. Minerais précieux, non, on va faire... Non, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Oublie, mec, oublie. Roche complexe, on va... C'est pas une amélioration de la roche? Non. Ok, j'ai rien dit. On va aller de l'autre côté maintenant, on va faire un peu ce côté de la carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec le monsieur? On s'en peut faire ça. On peut améliorer. Peut-être. Un champ d'une plante. On va améliorer ça. La petite église. Voilà, pour le moment tout va bien. Une partie peut être vraiment très longue, je sais pas vraiment quand ça finit. Pour le moment je peux vous dire que c'est très long. ...165, prospérité. Ah, des villageois du désert arrivent. Ça nous met dans une bonne situation. Super, comme ça on a trois malheureux paysous à s'occuper. Attendez, je vais mettre les minerais précieux parce qu'ils aiment la richesse apparemment. Donc on va leur mettre ce qu'ils veulent. On va faire les choses à moitié. Ça va être marrant parce qu'il y a les deux sections qui sont juste à côté. Change bazar coincé. Richesse écoulée, récoltée. Donc on va envoyer du steak. Et si une personne n'est pas satisfaite, on enverra la sauce. Voilà. C'est pas trop mal pour le moment. 26 23. Ok, dans le marécage pour le moment ça sort très bien. Ils sont entre deux océans donc ils sont un peu bloqués. Donc, pour le moment ça les gêne pas. Ah, il a pas fait la montagne ici. Je lui avais demandé de faire une montagne. Ah non, je lui avais pas demandé justement parce que la roche montagne je savais pas ce que c'était. Qui fait de l'arc, il chasse la grenouille. Quelle technique! Je croyais qu'il était en mode discrétion à la Metal Gear, mais en fait, non, c'est pas du tout ça. Il est juste en train de ramener
ce qu'il a réussi à attraper. On va se mettre ici. On va aller voir Esmeralda là. Qu'est-ce que tu me veux? Ah, c'est mignon, regardez le mec, il fait du. Il passe le balai. Ils ont plein de petites animations. Oh, très mignon. Richesse récoltée, science. Ça, c'est pour qui ça? High Castle. Ah, ouais, en effet, il faut que j'améliore tout ça. Donc, ils veulent de l'intelligence, de la richesse. Ils veulent de la richesse, ils veulent ensuite de l'intelligence, de la science, pardon. Du coup, je peux pas rajouter vraiment grand chose. Donc... qu'est-ce qu'on va mettre? Je suis un peu perdu là. Naturel, symbiose. Parcelle, ok. Il y a plein de challenges. C'est des challenges de fou, ça. J'ai pas le temps pour jouer à ces enneries, là. C'est vrai qu'on a le pouvoir normalement de déplacer. Ramasser ambassadeur. Ah! Je veux ramasser elle. Un géant peut ramasser un ambassadeur. Mais oui, c'était ça la solution pour pouvoir avoir des pouvoirs. Ok. Ambassadeur de la forêt. Il faut que je l'attrape. Vite. La coquine. Après, il faut que j'attrape les marécages. J'avais pas tilté. Maintenant, je le sais. Et après, le désert. Mais il est pas là. Il va arriver bientôt, peut-être. Ouais, on l'a pas encore assez développé. Donc ça veut dire que maintenant on a le pouvoir de fou quoi. Aspect de comestibilité. On va pouvoir améliorer la bouffe. Où sont les petits animaux? J'ai envie de d'écraser ce. C'est quoi ce truc? On va améliorer ça. Aspect de cosmétibilité. Comestibilité. Majeur. Ajoute de la nourriture. Voilà. On va faire ça un peu partout. Hein. On va pas se gêner. Hein. Voilà. Vous voyez la sauce tomate. Hein. Ensuite le marécage. Lui, il propose l'aspect vénéneux qui améliore la science. Je pense que ça va pas leur faire de mal si je leur fous sur la tronche de la science. Tiens, de la science dans la tronche. Ça fait quoi? Ça améliore tout? Est-ce qu'ils sont plus intelligents maintenant? Oh, bah, vous voyez. Encore. Bam. Si c'est à l'infini, on va être trop intelligent en fait. C'est bon, t'es intelligent là. Allez, on va partir, on va aider les autres. Là. Intelligent 58 sur 58, on a tout atteint. On a tout atteint. Science récoltée sur iCastle, il faudrait 58, donc il en faudrait plus de science. On est level 1. Il y a des levels pour chaque géant. Lui, level 1.
Lui, il est... Ah non, ça c'est le numéro des géants, mais il y a un level quand même au niveau du pouvoir. Vous le voyez, c'est marqué level 1. Ok. Est-ce qu'ils sont contents? Oui. Oui et oui. On va rajouter ce truc, l'aspect de comestibilité. Donc, comme je sais pas quand on va finir la partie, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que j'ai pas envie de faire trop durer la vidéo non plus, parce que vous allez vous ennuyer sinon. Je pense que c'est déjà fait sûrement, parce que vous avez déjà dû partir pour certains. Donc ceux qui restent, vraiment un chapeau, hein. Merci à vous. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il y a à faire ensuite, et je préfère voir ça avec des futurs tutoriels, et si vous avez vraiment apprécié ce jeu, que vous voulez que je refasse des vidéos dessus, on pourra en faire. N'hésitez pas à critiquer positivement comme négativement afin de me dire si ça vous plaît et si vous voulez que j'améliore des choses dans ma voix, etc. L'intonation, plein de trucs, vous pouvez tout me dire, je suis ouvert d'esprit, je peux accepter les remarques méchantes, c'est comme voilà, le temps que c'est construit et argumenté, pourquoi pas, je veux bien tout prendre à la tronche, j'accepte vos désirs, vos supplices, vos caprices et vos orgueils. Jeunes messieurs. Et moi je vais faire une vidéo sur un autre jeu pour essayer de varier un maximum et de vous proposer un peu plus de vidéos que d'habitude. C'est vrai que je suis un peu en retard, on va sauvegarder la partie et peut-être qu'on reprendra la suite si vraiment j'apprends vraiment à me servir du jeu. En plus je pense que les 30 minutes sont passées donc je sais pas pourquoi ça s'est pas arrêté. À moins que la troisième ère va bientôt terminer, je ne sais pas quand c'est que ça se termine, toute cette connerie. Option. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Succès. Développement. Ah, il manque tout ça. Hein. Il faut des succès pour atteindre le niveau suivant. Projet. Ah, d'accord, il y a des trucs, des succès internes au jeu. Sauvegarder, on va sauvegarder. Temps de jeu 21 minutes. Là, on va sauvegarder. On va l'appeler LudoPro. Sauvegarder. Et puis voilà. Les gens commencent à perdre leur énergie. Ils s'endormiront des minutes. Si vous êtes chanceux, vous aurez juste le temps d'améliorer encore un peu la nature. Ah, c'est la fin. Bon, on va vraiment en profiter alors. Rapidement. Allez, vite, plus que ça. Ils sont où? Allez, on va vraiment... Envoyer. Aspect de croissance. Allez vite, marécage. Richesse, on va envoyer. Je sais pas si ça va les aider. Si, apparemment, ça les aide un peu. Allez, on continue. Encore. Le change bazar a échoué, on s'en fout. Il faut pas que les géants s'endorment. C'est important. Très important. Ensuite, voilà. Oh, le géant, il s'est endormi. Ah, il s'est endormi. C'est mort. C'est mort, il s'endorme. Ok. Ça
Ça veut dire que c'est la fin, et on va voir ce qui nous arrive. Il est temps pour la planète de dormir à nouveau. Prospérité 186, ville 3, développement débloqué 3 sur 69. Développement nécessaire pour atteindre le prochain niveau, 9. Finir une ère avec un village du marécage et au moins 100 de prospérité. Donc on a eu ça. Voilà, donc on a terminé la partie. Donc vous avez compris en commun Ethereus. Donc voilà, c'est en fait il faut atteindre des objectifs particuliers. Et je pense qu'en mode jeu libre, ça peut aller plus loin. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses à faire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à critiquer positivement comme négativement. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !